Orcus Focus présente. Il est né sous une pivoine, il a grandi sous une pivoine, et pour cause. La famille Rivière produit ses plantes depuis 1849. Jean-Luc dirige l'entreprise familiale installée dans la Drôme. Il cultive des pivoines arbustives et herbacées, mais comment faire la différence entre les deux genres ? La pivoine herbacée, c'est une plante vivace. Sa partie aérienne disparaît chaque automne pour repartir de la souche au printemps. La pivoine arbustive, elle, comme son nom l'indique, c'est un arbuste qui pousse sur du bois, qui d'une année sur l'autre donc peut grandir et peut atteindre des hauteurs qui vont faire 1m20, 1m50, voire plus avec le temps. On a donc le bois donc, de l'année dernière, et ensuite les pousses de cette année qui vont se lignifier jusqu'ici, disons, jusqu'au dernier œil. Herbacées et arbustives se cultivent dans les mêmes conditions. Il leur faut du soleil, une terre bien drainée, de l'espace pour se développer, une seule différence, la façon de les planter. On fait un trou de 40 à 50 cm de diamètre et de profondeur, donc ce qui permettra également surtout de bien aérer, bien faciliter l'enracinement, bien aérer le sol pour faciliter l'enracinement, et d'amener la matière organique. Chaque année à l'automne, c'est bien de ramener de la matière organique, et également en début de printemps de la potasse, puisque la pivoine est assez gourmande en potasse. Les exigences sont assez communes finalement, mais il y a quand même une petite différence, ça va être la profondeur de sol, la profondeur à laquelle on va enterrer la plante. La pivoine arbustive, pour la multiplier, elle est greffée sur une racine de pivoine herbacée. Et donc pour ça, on a une greffe, donc comme je viens de vous dire, qui est la racine de pivoine herbacée. Mais à terme, le greffon doit s'affranchir de son porte-greffe, va faire ses propres racines au-dessus de la greffe. Et ensuite, c'est ce qui va permettre à la plante de bien se ramifier, puisqu'elle va faire des yeux, des bourgeons au niveau du collet. Et elle fera plusieurs branches qui vont partir du sol. C'est ce qui explique que si la greffe n'est pas suffisamment enterrée, elle ne pourra pas faire ses racines, donc pas ramifier la plante. La pivoine herbacée, donc, qui elle disparaît, enfin la partie aérienne disparaît en hiver pour repartir de la souche au printemps, elle doit être juste recouverte, elle doit être juste à fleur de sol pour pouvoir ressortir facilement sans être obligée de traverser 10 cm de terre. Si vous choisissez bien vos variétés, vous pourrez profiter de 2 mois de fleurs par an. Si on prend en compte toutes les pivoines, qu'elles soient arbustives et herbacées, et toutes les espèces, en fait, on arrive à recouvrir à peu près 2 petits mois de floraison. Donc ça va commencer autour du 10 avril et ça va se terminer autour du 10 juin. Là, je parle pour chez nous dans la Drôme. Après, il suffira en fonction donc, des régions de moduler. Quoi. Les arbustives sont les premières à fleurir. C'est elles qui vont commencer à fleurir donc mi-avril. Et les dernières herbacées vont, elles, finir de fleurir autour du 10-15 juin selon les régions. Quoi. On dit qu'une pivoine survit à son planteur. C'est vrai, car elles peuvent vivre et fleurir plus de 100 ans.